Bonjour, c'est Gilles de chez Craft & Beers. Aujourd'hui, je vous emmène chez un spécialiste de la cuisine bruxelloise, chez Zinoke. Entrez! Alors, ce que j'ai choisi comme plat hein, pour cette enseigne, ici on est chez Zinoke, donc une enseigne typiquement belge. Donc il y a la particularité d'avoir 69 sortes de moules à la carte. Donc là moi je suis parti, amateur de bière oblige, sur des moules à la bière blanche. Donc on va goûter ça tout de suite, c'est confectionné avec quoi ? Avec du céleri, de l'oignon, de la bière blanche évidemment. Ici ils sont partis sur la brasserie Strube à Ichtegem. Et alors une quenelle de beurre, donc on va goûter ça tout de suite. Hop. Très très bonne cuisson de la moule, vraiment tendre et moelleuse en même temps, pas trop de jus dans la moule, très très bon, très très bon. Les moules les plus demandées, c'est la marinière, la crémaille, la vin blanc, les basiques. Et puis on a nos spécialités à nous, c'est l'olivia avec bisque de homard, vin blanc, piment d'Espelette et persil. On a l'ardennaise qui fonctionne très bien aussi avec champignons, lardon crème comme la sauce et cognac. Et puis on a la basquaise, okay. Tomate, persil, ail et crème. Il y a deux plaisirs dans la moule. Hein. Il y a d'abord la moule proprement dite, et puis il y a le jus de la moule. Hein. C'est ici que vous allez encore mieux goûter le goût de la bière qui a servi à la préparation de la moule. Hein. Donc vous voyez qu'on a utilisé cette bière-là. Un pairing qui fonctionne toujours, c'est d'utiliser la bière que vous allez déguster en mangeant le plat. On va goûter ça ensemble. Excellent. Une pointe d'amertume qui vient de la cuisson de la bière. En même temps, le beurre qui a servi va arrondir le tout. C'est vraiment excellent, délicieux. Ça, c'est pour rappeler la maison communale de Scarbeck. C'est l'aspect de cette espèce de cet énorme hall avec cette verrière qui est au-dessus. Voilà, avec la verrière qui est au-dessus. Et on a voulu ressortir. On a fait quelques petites recherches avec la dessinatrice et un peu l'équipe pour retrouver la plupart des personnages belges qu'on pouvait mettre sur les murs. Voilà, tout doucement, temps de clôturer. Donc on a reçu l'addition, un petit débrief sur le restaurant. Très chouette adresse, hein. Le cadre hein, qui est vraiment bruxello-bruxellois de qualité, troquet, beaucoup de boiseries, les miroirs au mur, un très très bon service, ultra qualité. Hein, donc avec le service en tablier, en chemise, en gilet, donc ça c'est vraiment très très agréable. Personnellement, une pointe de frustration par rapport à l'annonce belgo-belge du restaurant, par rapport à la carte de bière qui est très très restreinte. Donc voilà, s'il y avait un conseil à donner sur les lieux, ce serait d'un peu étoffer cette carte de bière. Sinon, très très bonne expérience. Merci beaucoup à Eric et à Soud, son équipe, par rapport à ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui.